Les opérations de déneigement se poursuivent à Québec après la trentaine de centimètres reçus au cours des derniers jours. Sébastien, il y a une entreprise qui a trouvé le moyen de faire disparaître la neige plus vite que les autres. Oui. Oui, une fondeuse à neige qu'on a achetée d'une compagnie Fax au coût de 500 000 $. On vous la montre tout de suite derrière moi, Michel. Principe très simple, hein? C'est la neige donc, qui est déposée dans un bassin où l'eau est chauffée à 980 degrés Celsius. On est en projet pilote. On dit qu'on est capable de faire fondre 80 tonnes à l'heure. C'est l'équivalent de 10 camions, 10 roues là, qui transporteraient ces 80 tonnes dans les dépôts à neige. Plus rapide, plus sécuritaire. On dit qu'il y a un gain pour l'environnement. Réaction. Ce qui est important de dire, c'est que la neige qui est fondue, lorsqu'elle fond, elle est propre. Autrement dit, à l'intérieur de la fondeuse à neige, on a un compartiment qui va récupérer les sédiments. Puis à ce moment-là, bien, nous, ces sédiments-là sont conservés. Donc l'eau qui sort, elle est propre. Elle est plus propre que quand on attend pour le printemps, quand ça fond naturellement. Fait que de notre côté, c'est un avantage important au niveau de l'environnement. Donc ça s'en va dans le système pluvial, puis c'est très propre. Actuellement, on l'utilise sur deux sites, Carrefour Saint-David, Place Seigneuriale, et on est en projet également pour voir si on n'est pas capable de récupérer ces sédiments pour les réutiliser sur d'autres sites éventuellement.